Merde. Yeah. Go, 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 go. Woo. Yeah. Ah mais c'est énorme ce jeu. Ça en prend, ça en prend. Ça en prend. Ça en prend. Moi, 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 moi. C'est énorme. Premier boss. Premier boss. Ça, c'était épique. C'était épique. Suivant, c'est vert. Ah bah. Rouillé. Merci beaucoup, merci. Si je vais c'est quoi ça, je sais pas si je peux faire le tour par là, on va voir, on va aller voir. Ouh, ça a pas l'air très accueillant mais on va aller voir parce qu'on est un aventurier. Qu'est-ce que c'est que ça, les tombes? Il y a un temple. Okay. Allons voir le squelette, allons voir le squelette. Pourquoi il y aurait du feu? Ah ah! Hé, attrape! Ça a marché? Ça a marché. J'ai pris une épée. Je suis comme Conan, l'aventurier des temples farouches, c'est ça. Eh mais on en a tout brûlé en fait, c'est pour du vrai. Hein. Ah, c'est hardcore. Hein. Tiens! Oh, il a brûlé et tout. Ah. Bon, c'est à moi. C'est à moi. Flèche de feu. Ah oui, je pourrais utiliser l'éventail pour disperser le feu et tout. Oula, oula, oula. Où est-ce que je vais? C'était cool, j'ai bien aimé. Par contre, comment on va aller au vert? Ah, peut-être qu'on peut grimper là. On va voir. Ça me part un peu haut. Ça me part un peu. Je pense qu'il faut faire le tour. En fait, il faut faire le grand tour. Je dirais.
Bon ben va pour le grand tour là, peut-être. Technique numéro 1 du four, bon, mettre le feu chez les ennemis. Ça a bien marché. Ah! Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Hop. Merde. Ah non, il va me dire que je suis plein. Non, ça va, c'est de l'ordre. Ok. Technique numéro 2, faire exploser ses ennemis. Technique numéro 3, faire exploser ses ennemis et mettre le feu. C'est ça. Mon dieu. Ah, comment tu veux que j'y aille? Ah, c'est quoi ça? Ah, du silex. Frapper contre une arme en métal, ce silex peut produire des étincelles et enflammer un fagot en bois en proximité indispensable. Ah, yes, on peut faire du feu. Cool. Ah non, peut-être que... En fait, le mec, il veut que je lui fasse sa... Il veut que je lui fasse sa nourriture, là, avec le piment, la viande et je sais pas quoi. Après, il nous donne le duvet. Et après, on monte... La montagne, et on passe par-dessus la montagne en fait. Parce qu'il fait trop froid en fait pour y aller maintenant. Donc on a besoin du duvet. Je pense que c'est ça. Hein, c'est ça le vieux? C'est ça que tu m'énerves? À merveille. Oui, 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 oui. J'ai besoin d'aide. Te répéter 36-20. Un jour il faudra bien que tu te débrouilles seul. Alors si tu veux revoir les commandes du Naka ouvrir. Oui, d'accord. Ah, merci. Donc il m'a dit que l'ingrédient était au bord de la tour, enfin dans la, aux alentours de la tour. Donc let's go. Ils mettent pas les... Non, ils mettent que les quêtes principales. Alors qu'est-ce qu'il y a autour de la tour? Je dirais des champignons, mais... Il n'y a rien en fait autour de la tour. Des pommes? Peut-être. Des pommes. Pommes, piment et viande? Peut-être. Il y a de l'eau, poisson. Impossible, mais je ne pense pas qu'on puisse pêcher. Enfin, en tout cas, pour le moment, je peux pas. Et je vois pas de poisson, je peux pas balancer mon... Ah oui, putain, il y a... Si, si, il y a plein de poissons, en fait. Cool, perche d'Hyrule. Poisson commun vivant dans toutes les régions d'Hyrule, vous pouvez les manger crus ou les cuisiner pour amplifier les capacités de la région. Bien vu. Bien vu, bien vu. Je peux pêcher à la bombe. Oups. Yeah! Vive l'Amérique. Pourquoi utiliser une canne à pêche, franchement? Pourquoi? Pourquoi utiliser une canne à pêche? Alors, par contre, elle était où ta... Ah ouais, elle est là, ta maison. Putain, comment je vais y aller? C'était portée là. Non, c'était portée là, et après on va courir. Il disait qu'il pouvait pas pêcher, il avait la flemme. Pas... Bien vu. Donc c'est quoi sa recette? C'est viande, poisson et... Et piment? On va voir. En tout cas, on a plein de poissons.
Oh, marqueur. Cool. Vive le Texas. Oh mon dieu, non, 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 non. La pêche à la bombe. Non, 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 non. Elle était où sa maison? Mince. Elle était là-bas? Non, elle était pas là-bas. Merde. Ah, elle est au fond, elle est au fond. Infiltration. Non, c'est trop long. Go. Allez, mec! Yeah! Attendez, 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 attendez. Merde. Merde. Ta. Merde, il est où mon javelot? Ça veut dire que c'est détruit. Ah oh, yes. On peut faire tomber les abeilles. Bien. Ah, ah merde, maintenant c'est sur moi, non? J'aime pas les abeilles. Ah ouais, c'est beaucoup mieux comme ça en fait. Pour couper les arbres. Rayon de miel. Andulo. Celui-ci miel est riche en nutriments. Si vous l'utilisez dans cette proportion, vous aurez le goût. Les derniers vous rendront en endurance. Pourquoi se faire chier à couper du bois avec une hache? Franchement. Ça brille là-bas. On y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Des lucioles? Pas de spoil, Orion. Pas de spoil. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'allais faire de toute façon, mais... attention. Il me faut une bouteille, parce que Link emprisonne toujours les fées, les bordels dans des bouteilles. T'as des piments? Non, je crois que j'en ai qu'un seul de piments. Bon, le gros, le boulet, là. T'es chiant. Alors. Prendre ça. Piment. Poisson. Oh oh. Grillade, terre, mer, pic, pic. Améliore la résistance au froid. Ah, c'est bien ça. Eh, hey, le vieux, j'ai fait ta recette à la noix, là. J'ai préparé un plat, regarde. Mais qu'est-ce que c'est? Ça alors, on dirait la recette que j'ai inventée il y a bien longtemps. Mon délice de grillade terre-mer, pic-pic. Comment as-tu? Bah, j'ai un cerveau. Peux-tu me dire ce que tu as mis dedans, non? La perche d'Hyrule, évidemment. Eh oui. Beau travail, mon garçon. On a un doublé. Anti-froid, les habits de montagne, effectivement, tout particulièrement ces habits chauds, dont l'étoffe et les gants épais conservent bien la chaleur. C'est pas la tenue de... Ah merde, comment... Ah, j'ai oublié la forêt.
forêt de Kokiri. Je crois. Kokiri. Trop stylé. On va faire plus à manger. Prendre. Et plus de champignons parce que pourquoi pas, on va mettre un gland aussi. Ah ouais, ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air pas mal ça. Délice des bois à la viande. Ça a l'air dégueulasse en fait. Matériaux de monstre obtenir un remède augmente votre vitesse. On va plus mettre plus de poids. Brochette de viande. On va attendre jusqu'au matin. C'est pas elle. Oh non, c'est pas la légende de Kokiri. C'est quoi ce bruit? Ok, maintenant on peut traverser la montagne. J'aime bien. J'aime bien le système en fait. Pour les préparations du coup, c'est aussi avec la cuisson. Yeah, délice des bois de poisson tempo améliore la vitesse. Par contre, j'aurais bien voulu en avoir d'autres, des piments. Hé, le vieux, tu veux pas me dépanner de quelques piments? Ah, des pots. Des pots à casser. Ah, yes. Des pots à casser. Voilà. Chutney de fruits. Une préparation aigre-douce de fruits frais lentement mijotés. Quand même, il est fort, Link, parce qu'il arrive à faire... Avec 5 pommes, il arrive à faire un plat avec des pommes, des oranges... Enfin, toutes sortes de fruits. Je mangerai pas ce qu'il est en train de fabriquer quand même. Je mangerai pas ça. Prendre. Ah, du poisson au miel. Ah yes, ça a l'air trop bon. Avec un peu plus de champignons aussi. Et de la gelée en plus. Oh putain, qu'est-ce que ça va faire? Ça va exploser, non? Plat douteux. Yeah. Un fumée bizarre se dégage. Une fumée bizarre se dégage de ce curieux amas. Si je reste comme ici, son aspect rébutant. Enfin, plein de... Hey mec, tu veux tester mon nouveau plat? Il s'appelle... Peggy 18. Merde, il est où? Bon, il est pas là. On va se téléporter là et on va monter. Je viens de comprendre, Gria, terre, mer, pic-pic... Terre, venaison, mer, poisson, pic-pic, piment. Pas mal. C'est vrai. Moi, il y avait pic-pic qui me disait, moi, ça me faisait penser à Pikachu. Et c'est tout. Et mais piment, ouais, c'est beaucoup plus logique. C'est parti. On va garder ça. On
On a deux plats. S'il fait extrêmement froid, on a deux plats pour... Ah, la jauge du froid, en fait, elle est réduite, c'est ça? On va voir. Ah, ouais, ok. Donc là, pour qu'on atteigne, on a plus de marge, en fait, pour atteindre le froid sur la petite boussole, là. Enfin, la boussole. Ouais, là, on touche pas le froid. Où est-ce qu'on va? Bon, ben, on descend. C'est parti. J'aime énormément ce qu'ils ont fait avec ce Zelda. La façon dont ils montrent le monde et ils nous lâchent un peu comme on veut. Ah, c'est vraiment cool. A plus, Tristesse. Merci d'être passé. Bonne soirée et bonne nuit. Attendez. Faites pas attention à moi. J'ai une idée. Allez Link. Oh. Yeah. Woo. Perfect. C'est bête qu'on gagne pas de l'expérience. J'aurais bien voulu gagner de l'expérience. Ah! Le feu. Et on se réchauffe au coin du feu. Donc si jamais ouais, on a un problème de froid, on peut quand même se réchauffer au feu. C'est cool. Ok, ça c'était un coffre. Et le vieux, tu veux goûter mon nouveau plat, il se nomme Zelda Peggy 18 SL. Faut toujours que t'en fasses un peu trop. Ouais. Là, on va lui mettre une flèche de feu. Boum. C'est l'épée Bigoron. C'est ça le nom? La grosse épée à deux mains dans... dans Ocarina of Time. Ocarina of Time. Un radeau, on va y aller. Je voudrais... Je suis tenté à plonger... À plonger dans l'eau, mais je sais pas, je sens mal, donc on va y aller doucement. A plus Antoine, merci d'être passé. Bonne soirée. T'as wrong turn, ça va? Épée géant, Bigoron. Ah, c'était ça. Let's go. Let's go. Yeah.
Ah non, me dis pas que tu t'actives toi. On peut faire du feu. Pourquoi il me donnerait un éventail? Pourquoi il me donnerait un éventail? Ah, peut-être pour pousser la voile. Je fais du Nintendo. Oui. J'ai figé l'oiseau dans le temps. Je pourrais faire un feu, mais j'en ai pas vraiment besoin. Ok, 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 ça va, j'ai capté. Ah. Ah. Coupons des arbres. Waouh, c'est pas... Ouais, ok, on va en mettre plusieurs parce que là... Oui, un pont. Où est-ce qu'on veut aller? Là? Il y a quelque chose derrière la chute d'eau. À part du glitch. On va aller dans la... Ouais non mais je vais avoir froid là. Ah, attends, 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 c'était une mauvaise idée. Ah. Là, 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 là. Ah, c'est mieux ça. Ah, yeah. Non. L'épée. Épée de soldat. Les soldats du château d'Hyrule se servaient autrefois de cette épée au bon tranchant pour affronter les monstres. La lame en métal bénéficie d'une excellente résistance. Arc à pointe. On a été fixé au moins cette version renforcée d'un arc Boko, le rendant plus solide et plus puissant. Tout en conservant sa légèreté. Ça marche. Oh non! Oh non! T'es quoi toi? Tu m'expliques? Wow!
gelée chouchou blanche. Alors cette substance tremblante issue d'un chute de glace est aussi fraîche qu'agréable, malaxée. Quand on la frappe, elle explose en pluie de particules glacées. Radeau. Ah, on va pouvoir faire le tour. Attends, j'ai pas d'armes. Quoi? Ah, c'est quand ils sont comme ça, ils glacent. D'accord. Ok, j'ai capté. Ça marche. Tiens, on peut monter. On va aller d'abord à l'arbre. Waouh. Allez, où est Pona? Je vais Pona. Oh mon dieu, ça va tellement tomber ça. Yeah. C'est parti. Oh merde, il y en a 4. Vous voulez pas venir les mecs? Jette des pierres. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh yes, des piments. Ça tue. Ah, j'ai bien fait de venir ici. Ah, comment on monte? Je fais tout brûler. Comment on fait? Est-ce que tu peux faire Spider-Man? Non, Spider-Man. On va tester un truc. J'arrive. Tu vas prendre cher. Bon, c'était peut-être un peu trop vénère en fait pour lui. Je lui ai un peu fait mal. On va prendre le marteau.
Tenue, bah j'ai rien en fait hein, pour le moment. J'ai ça. Et là j'ai la le doublé, c'est tout. Le pantalon ilien. Il y a un truc là-bas. Ah, c'est le temple. On peut aller là-haut. Là, c'est le stress. Ah, il y a un coffre, yes. Oh, la déception. Mais attends, il y a deux. Il y a deux temples. Il y en a un en haut et il y en a un là-bas. Ah, deux pantalons. Moi, j'ai le pantalon ilien équipé pour le moment. Et après, c'est le premier du début, là. Le vieux pantalon. Faut que je mange. J'aurais dû faire plus de plats en fait. On va faire cuire un peu plus. Il n'y a pas une façon de cuire plus vite, genre plusieurs poissons d'affilée, genre un par un. Ça irait plus vite en fait. Ah bah du coup je peux faire ça. Ah non, j'ai pas de viande. Et si je mettais ça? Poisson grillé relevé pic pic. Délice des bois au poisson tempo. Ça fait beaucoup de champignons, mais on aime les champignons. Brochet de champi. Ah merde. Améliorer mon stuff, non. Poisson grillé relevé. Non, je sais pas comment on fait. Oh, on peut passer. Pochette de champignons. On est toujours obligé de faire ça. C'est un peu long quand même, non? Cette façon de faire. Tout ranger, je pense. Hop. Ok, on va dormir. Non, pas de fée. J'ai pas trouvé de fée. Mais les piments, ils reviennent ou pas? Alors fais voir là. Ah, non mais ça c'est autre part en fait. Ok, let's go, on va faire notre prochain temple.
Bon Emporion. À toutes. Où est-ce qu'on va?